Bienvenue sur FruiCAD 0.21 ou 0.20 sur Artix Linux chez moi. Dès qu'il s'agit de créer des objets un peu difformes, coniques, arrondis, etc., alors on s'inquiète un petit peu, hein. On regarde la chose avec inquiétude. Moi, quand j'ai vu cette pièce à faire, je me suis dit, ça y est, je vais encore devoir dessiner un genre de squelette, extraire des faces, créer des faces avec l'atelier surface ou utiliser l'atelier curves. Mais en y regardant bien, en regardant bien l'objet, eh bien, on peut découvrir des choses intéressantes. Par exemple, si je le regarde du côté droit, je vois que cette face, elle n'est pas bombée dans ce sens. Elle est bombée ici. Elle est bombée, enfin il y a un congé, un arrondi ici, mais c'est tout. Bien sûr, on a une conicité ici, mais pas là. Donc, on va peut-être pouvoir se débrouiller autrement. C'est ce que nous allons voir ensemble. Nous créons un nouveau document et je commence par ParDesign, car je vais avoir besoin de l'outil dépouille, vous savez, pour créer les faces coniques. Donc, nous créons encore une esquisse vue de dessus. Voilà, nous allons déjà dessiner la forme vue de dessus. Alors, je regardais ici, j'ai 185 mm, ça pourrait aller. Ma pièce, elle doit faire environ 150 mm de long. Les dimensions aujourd'hui, on s'en fiche un petit peu. Alors, j'utilise le cercle par trois points. Je l'accroche là-dessus, ici. Et je crée mon premier arrondi. Ensuite, j'en ajoute un autre que je vais aller mettre dans ce sens. Voilà. Alors, je presse T ou sur tangence. Tangence, je crois que c'est cette icône. Voilà. Donc, j'ai l'icône, le petit symbole qui apparaît. Je clique là-dessus, là-dessus, et je suis déjà tangent. J'aurais pu rajouter la ligne tout de suite. Attendez, comment je vais faire ça? Non, je vais utiliser le mode polyligne. Voilà, je vais là, et je rejoins, voilà, ici. Donc, vous avez vu, j'ai une tangence qui s'est automatiquement créée ici. Par contre, celle-là, je la veux en verticale, donc je presse V ou je clique là-dessus. Ensuite, je vais indiquer une longueur. Ici, on avait dit 150 mm, à peu près, hein, c'est pas ça près. Alors, les rayons. On va dire que ça c'est bon, et on va dire que ça c'est pas encore bon, à peu près à vue de nez comme ça. Hein. Voilà, ça c'est bon. Que me faut-il encore? On va fixer ce point dans l'espace. Voilà, il nous amène à combien là? À 35, allez, 35 mm, voilà, c'est bon. On a cette esquisse qui est prête. Nous pouvons créer une protrusion de 40 mm. Et voilà, on a déjà quelque chose de grossier qui apparaît. Étape suivante, nous allons créer la conicité sur les trois faces ici, sur celle-ci, celle-ci et celle-là. Et ça s'appelle une dépouille, parce que celle-là doit rester perpendiculaire, verticale. Donc, je sélectionne cette face, celle-ci, celle-ci, et je clique sur l'icône dépouille. Et là, par défaut, j'ai un angle de 1,5 degré. Nous, on veut une dépouille de 6 degrés. Si je clique dans le fond, ici, voilà, mes angles apparaissent. Voilà, 6 degrés, hein, on peut lui donner l'angle qu'on veut. Mais disons que l'objet doit avoir cette conicité. Donc, pour moi, c'est bon. Ensuite, vous aviez vu que l'objet que je vous ai montré tout à l'heure est découpé ici d'une façon un peu orthogonale. Ici, on a un angle droit, ici, on a un angle droit. Donc, c'est l'étape suivante. Nous allons découper notre forme de cette façon. Alors, je vais faire ça à partir de l'atelier Part. Je pourrais continuer dans ParDesign, mais tout à l'heure j'en sortirai quand même, donc autant utiliser directement Sketcher. Voilà, je clique dans le fond
de ma vue 3D pour que rien ne soit sélectionné. J'ajoute une nouvelle esquisse vue de dessus également. Voilà, et je peux sélectionner grâce à cette icône qui s'appelle géométrie externe les deux arêtes qui m'intéressent. Voilà. Maintenant, je peux accrocher une polyligne sur les points qui m'intéressent. C'est-à-dire ici, attendez, si je regarde ça, peut-être en vue filaire. Donc moi j'ai mon icône qui est là, sinon c'est V plus 3 je crois. Attendez, je vais essayer V plus 3, non même pas, ça ne marche pas quand on est en mode sketcher, donc je clique là-dessus, hein, et j'utilise l'icône que voici, voilà. Donc, nous disons polyligne, j'accroche ça là-dessus, je vais aller là à peu près, oui, là, là, et là je peux carrément aller là-dessus, oui je peux, et je retourne à mon point de départ. Voilà, alors qu'avons-nous d'intéressant ici? Oui, je peux peut-être, celle-ci s'est accrochée là-dessus, donc je presse N de mon clavier, je clique sur cette icône, contrainte perpendiculaire, et je crée des contraintes de perpendicularité. Voilà, je crois que c'est pas si mal. On va essayer. Si je clique droit, je sors de ce mode là, je clique sur ce sommet et je fixe cette contrainte. Il y en a une autre. Voilà, tout est contraint. Je coche toujours ces deux lignes. Voilà, là je peux dans Part créer une extrusion. Ici ça s'appelle extrusion. On va la monter de 50 mm. Je vais aller V plus 1 en mode normal, filet ombré. Je sélectionne ce que je veux conserver et contrôle maintenu, je sélectionne ce que je vais utiliser pour créer ma soustraction booléenne. Et voilà, j'ai ceci qui apparaît. Là, je me rends compte qu'ici, je n'ai plus de matière. Donc, tout à l'heure, il va falloir créer un congé ici. Donc, je retourne un cran en arrière pour vous montrer qu'on peut le faire. Je vais en vue de l'esquisse et en, comment ça s'appelle, vue de la section. Et je vais supprimer, si je peux, voilà, la contrainte point sur un objet. Donc, je presse sur suppression et je vais voir si je peux monter un petit peu ici. Voilà, on va aller plutôt par là. Je sélectionne le vertex, je clique sur le cadenas. Voilà, si je regarde ici, vous voyez, tout a suivi. Donc ça, c'est bon. À présent, je peux créer le congé sur cette arête et celles qui vont suivre par là. Donc je sélectionne l'arête. Je sélectionne d'abord l'objet, c'est plus simple. Je clique sur congé. Là, je sélectionne l'arête qui m'intéresse, c'est maintenant que je dois la sélectionner, si elle veut bien. Voilà. Je vais dans ce menu et je clique sur rayon variable. Je vais indiquer 10 mm ici et 2 mm ici. Je clique sur OK. Et voilà, j'ai déjà mon congé variable qui va de là à là. Et maintenant, comment je fais pour créer mon objet, ma paroi, eh bien, on peut créer une face à partir de ce qui se trouve à l'extérieur de ce volume. Alors, on peut le faire avec l'outil générateur de forme, ici, mais j'ai trouvé plus sympathique d'utiliser Draft et FaceBinder, parce que si je modifie après coup mon sketch, ma découpe, le FaceBinder, lui, va s'adapter, alors que l'autre outil de Part ne le fait pas. Donc, je presse déjà GR pour faire disparaître la grille. Je sélectionne les faces, contrôle maintenu. Celle-ci, celle-ci, celle-ci. Et je clique sur FaceBinder. Là, j'ai mon FaceBinder. Je peux sélectionner mon filet, presser barre d'espacement. Vous voyez, j'ai plus qu'une face. Maintenant, nous allons tout simplement utiliser l'outil offset, la fonction offset. Donc je sélectionne le FaceBinder, je clique sur 3D offset,
Attendez, je regarde ça de côté. Voilà, je lui donne son épaisseur, 4 mm, et je coche remplir le décalage. Je ne peux pas le faire vers l'intérieur. Je peux, mais après, il faudra que je complète moi-même en créant des faces avec l'atelier surface. Mais bon, là, j'ai pris les mesures à l'intérieur et j'ajoute mes 4 mm. On va dire que c'est bon. Voilà, j'ai déjà un très bon début, hein. Que me reste-t-il à faire? Quelques congés. Créons les congés sur ces différents angles. Et je vois ici que je n'ai pas beaucoup de place. Mais on va y aller quand même pour vous montrer ce qui peut se passer. Je sélectionne la pièce que voici, mon offset. Je décoche bien sûr au préalable face bind, parce que si je sélectionne mon face bind, j'aurai du mal à créer mes congés. Hein. Voilà, je vous ai prévenu, hein, parce que moi je me suis déjà cogné le nez aussi. Hein. Voilà, offset. Je clique sur congé. Là, je sélectionne les faces qui m'intéressent. Ici et ici. Et on va y aller à 5 mm. Je sais d'emblée que ça ne va pas marcher. Vous voyez, tout disparaît. En fait, je double-clique ici et je descends ici à 3,5. Et là, ça marche. Vous voyez? Parce qu'on est très près de l'autre arrondi ici. Alors, si je veux modifier ça, eh bien, je peux dérouler ici le filet et je retrouve mon sketch de la découpe. Celui-là, je peux le modifier. Je vais supprimer ces deux contraintes et je vais pousser un petit peu tout ça par là pour avoir un peu plus de place ici. Donc, je sélectionne ce vertex, je clique sur le cadenas et voilà, tout ça c'est très bien. Et j'ai ici un peu plus de place. Maintenant, je peux double-cliquer sur mon filet et je peux mettre 6 mm même si je veux. Tout est bon. Voilà. Alors, que nous faut-il encore? Arrondir ces champs ici. Donc, ce n'est pas compliqué du tout. Je sélectionne cette pièce de nouveau. Je clique sur congé. Là, j'indique, je sélectionne une seule face. Si FreeCAD veut bien, oui, il faut d'abord, je coche sélectionner les faces. Donc, cette face. On a 4 mm, donc on peut utiliser 1,5 mm comme rayon. Je clique sur OK. Et voilà, la pièce est finite. On a créé des congés partout, sauf ici, si j'en ai oublié un. Je peux dérouler. Je peux faire apparaître cette pièce. Je double-clique. Je regarde ça en mode filaire. Et je vais voir si je peux sélectionner cette arête. Alors, attendez. Je fais disparaître ça. Voilà, c'est ça qui m'intéresse. Double-clique. Alors là, je peux faire apparaître cette face, cette arête, je peux la sélectionner. OK. Mon filet ici, il est détérioré. Je reviens V plus 1 dans la vision normale des choses. Pour vous montrer qu'on peut manipuler après coup, hein, dans une certaine mesure. Donc, je sélectionne la pièce. Congé. Sélectionner les faces. Je sélectionne cette face. 1,5 mm. Et voilà, tout est fait. J'ai même un petit arrondi ici à l'intérieur. Voilà, la pièce, elle est finie. Hein, elle est finie, tout est bien. Je peux ajouter ensuite ce qu'il me faut, des petites attaches, comment on appelle ça, des petits crochets pour fixer ce cache à l'endroit où il doit aller, sans doute dans une voiture. Et voilà, donc, vous voyez, en observant bien une pièce avant de la créer, en analysant bien sa forme, on peut déjà à peu près déduire les outils qu'il nous faudra. Ici, il nous a fallu créer, je répète, une conicité ici, une dépouille ici et ici, mais pas ici. Donc, l'outil dépouille marchait bien. Ensuite, il fallait créer cette découpe. Celle-là, on pouvait la faire à partir de l'atelier par design, mais également à partir de l'atelier part. Et finalement, nous avons créé un congé progressif ici. Nous avons sorti la face externe, nous avons sélectionné la face externe.
Nous en avons fait un face binder, et ce face binder, nous en avons créé un offset, un premier fillet, les fillets sur les angles, et finalement le fillet sur les faces tout autour. Voilà, j'espère que certaines personnes pourront s'en inspirer. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.